dans mon endroit préféré. Parce qu'on m'a dit qu'on allait filmer dans mon endroit préféré. C'est mon endroit préféré parce que c'est le cockpit qu'on a conçu qui est différent de tous les autres bateaux, de tous les autres IMOCA. Et dans lequel on est, regarde, hyper bien installé. On commence par le clou de la visite, c'est-à-dire ce siège baquet amorti avec un amortisseur de VTT en dessous. Et dans lequel je peux voir dehors, voir le réglage des voiles, les foils qui sont sur le côté, et puis forcément l'écran de navigation avec le logiciel de navigation, l'accès à la quille, l'accès au réglage du pilote, et puis éventuellement même l'accès au réglage d'une des voiles à partir de Switch le plus proche. Voilà. Donc là, on est bien installé. Donc là, on est à l'étrave du bateau, et on a devant le bout dehors qui nous sert à gréer les voiles. Donc on a deux galettes, la verte et la orange ici. La verte, la plus avancée, qui sert pour les grandes génaqueurs qui vont ensuite autour des outriggers et des haubans en extérieur. Et la orange, plutôt pour des voiles qui vont devant, plus des voiles plates comme le J0 qui nous sert dans le petit temps à faire du prêt. Et toutes les voiles peuvent passer à la fois sur les deux galettes et sur les deux drisses qui sont en tête. Donc on a tout plein de systèmes d'inversion pour au cas où on ait un hook défaillant en haut, on puisse quand même utiliser les voiles. Ici, c'est une voile un peu spéciale parce que c'est ce qu'on appelle, alors elle a 14 noms différents, mais c'est un J15 chez nous. C'est-à-dire, c'est une sorte de phoque de gros temps, un Yankee pour les anciens. Et une voile qui est très basée gros temps, vent de travers et surtout vent des globes. Elle est faite pour être utilisée dans beaucoup de vent et beaucoup de mer. Donc elle est très haute en termes de points d'écoute. Il n'y a pas de tissu tout en bas pour un peu laisser passer la mer. Et elle n'est pas faite pour vraiment faire du prêt, mais plus pour des angles un peu ouverts. Et elle permet du coup de ne pas endommager le J2, qui est notre voile principale pour faire du prêt, dont on a besoin pour remonter tout l'Atlantique. Et on commence à voir ici les débuts de ce qu'on appelle la goulotte aéro, qui est une grosse goulotte centrale qui sert à ramener toutes les commandes, tous les bouts, tous les enroulements. Des voiles d'avant sous le pont. Donc on peut le voir, il y a très peu de bouts, hein, tout rentre dedans. Les enroulements de voiles d'avant, ils rentrent ici. Les amures, elles sont déjà dedans. Là, on arrive sur le J2. Donc comme j'ai dit, l'étai qui tient le mât, l'étai principal. La voile la plus utilisée probablement du bateau. Donc, là, on peut voir que la galette, elle a été descendue, elle est sous le pont. Ça, c'est pour des questions aérodynamiques. Ça permet à la voile de commencer le plus proche du pont possible. Donc d'être... faire une sorte d'effet de plaque très proche du pont du bateau. Bon, on peut voir ici, il y a un petit évent de ballast parce que sur ces bateaux-là, comme les foils lèvent beaucoup le nez du bateau au près, on remet des ballasts avant. Ici, on arrive sur l'étai de J3. L'étai qui tient le J3, c'est la voile de gros temps. C'est aussi un étai qui sécurise le mât quand on utilise des voiles d'avant qui sont sur le bout dehors. On ne peut pas s'en passer, c'est une des raisons des dématages, c'est souvent une mauvaise gestion de celle-ci. Après, on arrive au pied de mât. On est sur un mât tournant, hein, qui est un mât standard chez tous les IMOCA. Toutes les commandes du mât qui passent à l'intérieur de la boule, donc toutes les drisses, tous les largages de hook, de grand voile, passent là-dedans, là, donc c'est quasi invisible ici. Un paquet de commandes, et donc tout ça revient au même endroit qu'on appelle la cathédrale, parce qu'il y a tout le monde qui se réunit là, et ensuite ça va sur le piano, et on verra en bas, il est juste à proximité. Les foils, donc il y en a deux, un de chaque côté, donc qui servent à lever le bateau, non seulement lui donner la puissance, mais aussi le faire voler. C'est un peu le problème des IMOCA, c'est d'essayer de voler sur un seul plan porteur. Donc la majorité de la portance est générée par le foil, mais il y a aussi un petit peu par la quille qui s'incline de chaque côté à environ 35 degrés. Et le réglage des deux, c'est-à-dire entre l'extension de ce foil, les 5 degrés de tolérance d'angle d'attaque que l'on a et l'angle de la quille, ben voilà, avec tout ça, on arrive à gérer une sorte de portance et une sorte de trépied pour que le bateau arrive à décoller et lever le nez. On est dans la soute à voile du bateau, donc forcément, ben voilà, la taille des sacs à voile que l'on peut avoir. On a 8 voiles en tout. On a la grand voile et les J2 qui sont toujours à poste, donc on peut avoir en même temps 6 voiles à l'intérieur, mais il nous arrive de naviguer aussi avec 4 voiles en l'air, donc à ce moment-là, il y en a déjà beaucoup moins. Les voiles passent quand même pas mal de temps dans la soute à voile sur ces bateaux-là, mais dès qu'il y a du gros temps,
il faut les reculer. Dans ce bateau-là, les reculer, ça veut dire les sortir et les passer derrière le roof. Donc on met quand même beaucoup de poids à l'avant. On matos les voiles un peu de chaque côté de ces structures. Et puis après, on a tous les sacs de matossage. Là, on en a certains sur une bannette et qu'on peut aussi accrocher sur les côtés pour matosser. On voit à l'avant une cloison complète, qui est une des cloisons étanches. Donc on voit la trappe d'accès. Et on en a plusieurs comme ça qui nous permettent de protéger le bateau, enfin disons l'intérieur du bateau, en cas de voie d'eau et de collision à l'avant. Il faut imaginer qu'ici, dans 20 nœuds avec de la mer au près, c'est un peu rock'n'roll. Ça secoue beaucoup, ça tape beaucoup. Et si on prépare un virement de bord, il faut passer toutes les voiles de l'autre côté, passer tout le matériel de l'autre côté. Et c'est vrai qu'il y a des conditions où ça devient un peu limite, quoi. Et du coup, on peut commencer à hésiter à le faire parce qu'on risque quand même la blessure. On quitte la soute à voile et on passe la cloison, cette cloison-là, qui est la cloison avant des foils. Ici, il y a les foils avec les trappes d'accès, on peut inspecter les systèmes de foils. Et là, on arrive sur la structure de la quille qui reprend tous les efforts. La quille, elle est ici, derrière cette cloison-là. Et on peut voir les différentes goulottes qui ramènent tous les cordages de l'avant et aussi tout ce qui vient du mât et dans ces boîtes-là étanches. Donc voilà, donc tout ça c'est les foils, tout ça c'est la cathédrale de mât, et là la fixation de quille à l'avant. Et là on arrive en latéral du cockpit, donc ici on a une bannette dans laquelle on peut dormir, et on commence à récupérer pas mal d'électronique, donc tout ce qui est réseau, ordinateur. Voilà, hop. Donc là on arrive presque au cockpit, et on a les ballasts latéraux, qui sont ici en extérieur, et puis cette bannette donc, dans laquelle on va pouvoir s'installer. Voilà, donc là, en libérant le passage, on donne accès à une bannette dans laquelle on peut se glisser. Et du coup, on se retrouve bien calé sur ce matelas avec les coussins latéraux, coincé entre le cockpit et le flanc du ballast, et on peut sortir assez rapidement. Et là on arrive dans la salle des machines où on a les réservoirs du gasoil, le moteur, tous les systèmes de charge par alternateur. En ayant avancé le cockpit dans le design du bateau, on se retrouve avec un espace arrière très étanche, très grand, dans lequel on peut facilement travailler. Et du coup, l'électronique se retrouve au bon endroit, pas à baigner dans l'eau en fond de coque. Et ça fait une belle installation très pratique. Et donc, nous voilà dans le cockpit, et comme on a vu dehors, on a tout ce qui descend du mât, les réglages latéraux qui arrivent ici. À travers la cloison, on a tout ce qui vient de l'avant, les amures, les bosses d'enroulement, qui arrivent sur deux winches de piano, qui sont contrôlées par la colonne qui est là. Donc là, on a juste les sélecteurs qui nous permettent de choisir le winch. Et à l'arrière, on se retrouve avec 5 winches, donc c'est généralement un de plus que dans les autres IMOCA, c'est pour avoir plus de liberté de réglage et de rapidité de réglage. Et toutes les écoutes et les bastacs viennent d'une goulotte qui reviennent de l'arrière du bateau. L'eau qui peut arriver par les trappes latérales par lesquelles on rentre et on sort du bateau, l'eau peut couler sur ce plateau et prendre la goulotte et sortir. Donc on se retrouve dans un espace sec. Autre particularité du bateau, c'est qu'on est capable de barrer. Ça, c'était un critère important dans le design. On est capable de barrer le bateau en étant dehors. Là, je peux faire ma manœuvre de port tranquillement, prendre un départ de course, regarder autour de moi ou même naviguer pour régler le bateau sans souci. Quand on arrive sur tout ce qui est ordinateur, et là il y a pas mal de matos assez intéressant. On a beaucoup de capteurs sur le bateau, les capteurs de tension pour tout ce qui est été, mais on a de la fibre optique dans les foils pour mesurer la déformation, dans les safrans aussi.
Et donc sur ces écrans-là, on peut se retrouver à vérifier tous les paramètres du bateau en quelques mesures très graphiques qui nous permettent de suivre les efforts du bateau, les efforts dans les appendices, les niveaux de charge, panneaux solaires, alternateurs, hydrogénérateurs. Peu importe où on se trouve, on a accès à toutes les informations. Il n'y a pas d'écran de répétition, en fait, tout est un seul endroit. Et en plus, cette zone-là est sèche. L'eau n'arrive jamais en avant. Et du coup, on a une cellule de vie hyper agréable. Ouais, donc ça, c'est notre cuisine. J'espère temporaire. Mais en tout cas, on n'a pas trouvé une meilleure solution. C'est-à-dire, on ne sait pas trop où mettre la cuisine encore aujourd'hui dans le bateau. Donc, on préfère la mettre là où ça nous arrange. Et c'est souvent, on est très bien, on va dire, par terre. On met notre eau à chauffer ici dans ce jet boil qui est sur cardan. Et ça nous permet d'avoir une situation assez stable. Et parce qu'on n'a pas, trouvé d'emplacement dans le bateau où ça n'allait pas gêner, où ça n'allait pas se faire arracher par un bout ou quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, on est sur quelque chose de semi-fixe, on va dire. Cet IMOCA est vraiment différent des autres parce qu'il est d'abord inspiré des évolutions qu'il y a eu sur d'autres bateaux, donc comme Hugo Boss, où en fait on avait bien aimé le cockpit avancé, la vision qu'il pouvait avoir quand il réglait, mais par contre on se retrouvait toujours avec le constat d'avoir des zones de veille dans des boîtes noires, sans vitres, sans rien, et on ne voit pas l'extérieur. Et c'est quand même là où on passe 90% de notre temps. Donc il y avait une vraie volonté chez nous de remettre la zone de veille au centre de l'action, de la vision. Et donc voilà, on a réussi à développer ce cockpit-là où on est capable de faire les manœuvres, la nave, un peu de repos, voir la cuisine. Ça nous fait un seul espace de vie. Donc ça nous complique un peu des fois la vie parce qu'on ne sait pas où vont les choses. Et on a mis du temps à décider comment faire la cuisine, comment dormir, etc. Par contre, tout le monde le dit, c'est hyper agréable. C'est un bateau vraiment sensationnel. Et en plus, cette zone de vie avancée, elle se retrouve près des foils et de la quille qui en réalité amortissent beaucoup les mouvements du bateau. Et du coup, c'est probablement la zone la plus confortable du bateau. Et sur une course très longue, parce qu'on est totalement orienté Vendée Globe en termes de design, ça nous permet de, je pense, faire de la performance sur la durée.